Le peuple d'abord, slogan d'actualité ou oublié aujourd'hui. Agression rwandaise, comment l'opposition peut-elle jouer sa carte ou apporter sa contribution? En d'autres termes, est-ce que l'opposition contribue-t-elle à ce qu'on puisse retrouver la paix perdue dans une partie de notre pays? Mesdames et messieurs, merci beaucoup de nous faire confiance. Ce sont les deux sujets qui feront l'objet de cette émission. Grande tribune, nous sommes donc le vendredi 16 août 2024. Eh bien, pour parler de ces deux sujets, deux invités, je commence par ordre d'arrivée. Monsieur Trésor Kalala est avec nous dans cette émission. Il est secrétaire national en charge de la communication de l'AADC. Il est également porte-parole de cette formation politique. Il est aussi coordonnateur d'un mouvement politique, la Sentinelle de la Nation, Sénat en abrégé. Bienvenue, Monsieur Trésor Kalala. Merci beaucoup, Monsieur Dan, pour l'invitation. Je salue mon débatteur avec lequel nous allons partager ce plateau. Le peuple congolais qui est en train de nous suivre et aussi les membres de mon parti politique, comme vous venez de le dire, l'Alliance pour les actions de développement du Congo, parti Ah, cher à Madame Adèle Kabena, et aussi toutes les sentinelles. Comme vous l'avez dit, je suis initiateur et président de ces grands mouvements patriotiques. La Sentinelle de la Nation, Sénat en abrégé. Je pense que nous passerons de bons moments ici. Comme vous savez, ça a toujours été un plaisir d'être sur le ce plateau plateau. de Congo Buzz, parce qu'ici, nous avons la facilité d'atteindre un grand nombre. Je crois qu'avant que nous ne puissions toucher le vif de vos thématiques, j'aimerais faire mon plaidoyer ou la campagne que j'ai commencée depuis un temps par rapport à ce qui concerne les secteurs de transport. Je réitère, je dis aujourd'hui à Kinshasa, on ne sait pas combien coûte Les le transports. prix d'une course d'un point A à un point Y, parce que vous allez vous rendre compte qu'aujourd'hui, chaque chauffeur a son prix, chaque receveur a son prix, alors que cette situation est en train de toucher directement à la vie des Congolais, parce qu'aujourd'hui, un quinoa est incapable de faire son budget journalier par rapport à son transport. Donc, vous allez vous rendre compte que le matin, il y a un prix. Quand il est 14h, 15h, il y a un prix. 18h, 19h, 20h, il y a un prix. Alors, c'est quoi le prix du transport à Kinshasa? C'est anormal que quelqu'un, avant de prendre un bus ou un taxi, et même la moto, qui l'amène à telle destination, qu'il pose la question, ça coûte combien? Le prix doit être connu d'avance. Il semble qu'il y a eu déjà une fixation de prix depuis l'époque de Jean Gobila. Tiny Ngobila. Moi, je crois qu'on doit mettre à jour ou alors faire application de ce qui avait déjà été Mais conclu. les prix existent déjà, mais est-ce que ils sont appliqués Mais il y et a un laisser-aller dans les comment le faire secteurs. Mais appliquer? c'est ça le problème. Nous avons les ministères de transport, nous avons la police qui est là. Donc, si on n'a pas changé, eh bien, il faut faire appliquer. C'est là où il faut réajuster, faire Réajuster. une mise à jour de cette grille, parce qu'aujourd'hui, les Quinois souffrent sérieusement C'est pour ce qui grave. concerne le transport. Le matin, il y a un prix, à midi, il y a un prix, et la nuit, il y a un prix. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est par rapport à la situation du logement, le beau loyer. Le bois Vous loyer. savez, il y a une loi qui réglemente Ouais. les secteurs. Et là, je m'adresse au ministre de l'urbanisme et habitat. Vous savez, la loi est en train de nous dire que la garantie locative est de 3 mois et payable en francs congolais. Mais curieusement, nous constatons qu'aujourd'hui, à Kinshasa, aucun bailleur ne fixe la garantie à 3 mois et en francs C'est congolais. très rare, C'est c'est lui qui impossible. fixe le minimum, effectivement, c'est 5 mois ou 6 mois. Mais quand vous allez dans des quartiers tels que Yolo, il y a des bailleurs qui vous fixent la garantie locative à 10 mois, voire même 12 mois, plus un mois Du du commissionnaire, courtier, ce du qu'on courtier, appelle commissionnaire. commissionnaire, alors que c'est une violation flagrante de la loi. Alors moi, je crois que le ministre de l'Urbanisme puisse quand même ouvrir l'œil et les bons dans ces secteurs-là, parce que la population est en train de souffrir quant à ça. Et même cette histoire de paiement de loyer anticipatif. Il y en a qui vous disent, vous payez 3 mois de garantie locative
et 3 mois de loyer. Mais c'est prohibé. L'article 21 de la loi sur le beau loyer est en train d'interdire ce genre de pratiques. Alors moi, je jette un plaidoyer ici. Oui. Ministre de l'Urbanisme, il semble qu'il est en train de rédiger une nouvelle loi, je ne sais pas sur quoi. Appliquez d'abord ce qui a toujours existé. Le loyer en République démocratique du Congo est payable en francs congolais. La garantie locative est de 3 mois pour des maisons d'habitation et 6 mois pour des maisons commerciales. Mais comment expliquer que depuis la nuit des temps, jusqu'aujourd'hui, la situation ne change pas parce qu'aujourd'hui, à Kinshasa, les logements, c'est devenu un vrai casse-tête. Je me mets à la place d'un étudiant qui vient de finir aujourd'hui et qui doit quitter le toit paternel et habiter seul. Il a un 100 dollars. Il ne peut plus. Il ne peut pas loger. Pourquoi? Parce qu'on va lui demander 600 dollars pour une maison de 100 dollars. On va lui demander 1200 dollars. Alors, comment les gens vont vivre? Donc, que les ministres de l'Urbanisme et Habitat puissent s'y pencher pour que ça change. Sinon, ça serait de l'incompétence. Et au bout d'une année, moi, je vais évaluer son action. Nous allons demander sa démission, purement et simplement. D'accord. Les lois existent, mais souffrent d'application. Ils sont dans le domaine des transports, sous comme dans le domaine de l'habitat. C'est votre plaidoyer. Merci. Monsieur Prince Epengue, président de l'ADD Congo et cadre de la famille politique Lamouka, Lamouka El Fayoulou. Bienvenue, Monsieur Prince Epengue. Bonjour et merci pour l'invitation. Bonjour également, mon co-débatteur. Alors, on va rapidement démarrer avec le premier sujet, le peuple d'abord, ce slogan qui fit rage au cours du premier mandat du chef de l'État. Même le jour de la prestation de serment, le peuple lui rappelait, n'oubliez pas, votre père disait, le peuple d'abord. Aujourd'hui, nous sommes au second mandat, le chef de l'État a dit, on ne répétera plus les erreurs du passé. Mais est-ce que ce slogan est toujours d'actualité ou il est oublié? Alors, je commence avec M. Trésor Kalala. Bon, on venait de parler. Je crois que je vais donner la parole à M. Prince Epengue pour équilibrer un peu. Quel est votre avis à ce sujet? Le slogan du peuple d'abord, qui était la vision du président Tshisekedi au cours de son premier mandat, il est au second mandat. Pour vous, est-ce qu'il est d'actualité où il est déjà dépassé? Heureusement que vous parlez d'un slogan. Et vous savez ce que c'est qu'un slogan. Tous les cris de guerre ne sont pas de nature à motiver et à pousser les gens à avoir les résultats. Malheureusement, pour les slogans « Les peuples d'abord », son initiateur, paix à son âme, Papa Étienne Sizwa Mulumba, a été enterré avec. Mais bien avant d'entrer dans les veines du sujet, l'obligation de sensibiliser les Congolais, de les conscientiser face aux dangers impose d'appeler les Congolais et Congolais, informer ceux qui ne sont pas encore parfaits et encourager ceux qui le sont à observer les règles ou les recommandations hygiéniques qui viennent du ministère de la Santé. Vous savez que le Congo est confronté à une épidémie qu'on appelle Mpox. C'est une maladie que l'on qualifie tropicalement ou trivialement de la maladie des singes. D'après le ministère de la Santé et l'Organisation internationale de la Santé, le Congo a plus de 15 000 contaminés, personnes atteintes de cette maladie. Toutes les provinces touchées aussi. Principalement la province du Nord Kivu, la province de l'Équateur et dans plusieurs démembrements, notamment dans la province de la Chopa. La province de la Chopo, Kinshasa aussi. Kinshasa, on parle de 9 à 10 cas déjà. Et donc, nous voudrions que les Congolais fassent très attention, surtout les enfants. À Goma, dans les cas de déplacés, il y a beaucoup d'enfants qui sont atteints
ça déchire la peau, ça lève la peau, c'est une maladie terrible, de fortes fièvres, etc. Surtout pour les bébés. Et cette maladie des singes, se transmet par un contact très étroit. Donc il faut de plus en plus, c'est un état, prendre les précautions pour que les enfants ne puissent pas beaucoup avec les autres, hein, avoir des contacts physiques pour éviter la propagation de la maladie. Déjà, ça vient d'atteindre le continent européen parce qu'hier, on a détecté la maladie des singes, ou des singes, je crois, en Suède ou au Danemark. Donc nous voudrions ici que les Congolais prennent conscience, transmettent le message qu'il y a une maladie qu'on appelle Mpox, maladie des singes, qui est en train de faire rage. Ceux qui viennent de l'intérieur du pays, surtout de l'équateur, il faut vraiment faire très attention avec les enfants, etc. Il faut laver les mains, se laver avec du savon, etc. Je crois que les recommandations, j'aurais bien souhaité que la RTNC, qui est la chaîne nationale, fasse son travail. Je n'ai jamais compris ça. Moi, en tout cas, depuis que Félix est là, je ne suis jamais passé sur la RTNC. Interdiction totale. Mais sous Kabila, vous passiez. Hein? Sous Kabila, oui. Sous Kabila, enfin, je ne passe pas beaucoup. C'était 3 ou 2 fois sous Kabila. Mais sous Félix, tu sais que dans 6 ans, la RTNC ne nous a jamais invités. J'ai demandé, on m'a dit, tu ne peux pas passer. Par qui? Mais bien sûr, les journalistes ont peur. Là-bas, c'est la police. La RTNC, vous ouvrez à 6 heures, c'est le visage de Félix Tshisekedi. Vous ouvrez à 1 heure, c'est toujours Félix Tshisekedi qui est en train de dîner avec ses amis et ses invités. Vous ouvrez à 18 heures, la RTNC, on va Augustin Kabuya ou Félix Tshisekedi. Finalement, cette chaîne nationale payée, dont les agents sont payés avec l'argent du Congolais, fait son... Normalement, c'est la RTNC qui doit matraquer. Parce que la RTNC a un privilège d'atteindre toutes les provinces, tous les territoires. Pour matraquer, dire aux Congolais qu'il y a la maladie des singes, lavez-vous les mains plusieurs fois avec du savon, évitez les contacts avec des personnes que vous ne connaissez pas, les personnes qui viennent du voyage, surtout de l'Équateur, de la province orientale, du Kivu, etc. Faites attention, ne mangez pas ceci ou bien, ne mangez pas ceci ou bien, ne touchez pas ceci. Même moi, là, je ne suis pas en mesure de vous dire exactement qu'est-ce qu'il faut faire. Mais comme responsable politique au sein de l'ADD Congo, mon parti, au sein de la MUCA, avec le président Fayulu, on en a parlé hier, nous avons pris l'obligation avant chaque émission de dire aux Congolais, attention, à Kinshasa, la maladie est déjà là. On nous parle de 9 cas. Mais qu'est-ce que fait la RTNC? Vous allez à ce moment-là, vous allez trouver les journalistes qui vous disent, le chef de l'État, le chef de l'État, le chef de l'État, le chef de l'État. Jusqu'à quand nous allons sortir de cette petitesse d'esprit? Vous avez vu les Jeux Olympiques? En France, la plus grande activité sportive au monde, la plus grande activité sportive de tous les temps au monde, Jeux Olympiques. On a transformé la ville de Paris en une salle, en un stade, en plein air, en ciel ouvert. Vous n'avez même pas vu, même un centimètre d'une photo de Macron affichée quelque part. Mais ici, la francophonie, tous les stades étaient entourés de visages de Félix Tshisekedi. Une bâche de 12 mètres. Si. Il faut qu'on grandisse mentalement. Ça m'étonne quand Félix Tshisekedi disait à Macron ici, il faut savoir nous respecter. Mais le respect, ça se mérite. Voilà. Donc, j'ai dit aux Congolais, attention, 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 faites passer les messages. Je suis politique. Je me suis engagé en politique pour protéger les Congolais. Il y a déjà 500 Congolais tués, morts par cette maladie. 500. 15 000 atteints, 500 déjà Congolais morts. Bien qu'il y ait le vaccin, bien qu'il y ait un vaccin déjà. Oui, il y a un vaccin. Mais à part les vaccins, ce sont des précautions qu'il faut faire prendre aux Congolais. Que voilà, arrêter les contacts inutiles avec des personnes que vous ne connaissez pas, surtout ceux qui viennent du voyage. Éviter que les enfants jouent avec les enfants, surtout ceux qui viennent du voyage. Laver les mains avec du savon. Et quand l'enfant a de fièvre, forte fièvre, il faut aller avec lui à l'hôpital rapidement. Et c'est important. Des précautions. Quant au slogan, et en 1 minute, je vais pas m'attarder là-dessus. Vous avez... En Sciences Po, on dit que le pouvoir peut bien se transmettre, mais pas la légitimité. Tu peux donner le pouvoir à ton fils, mais tu ne donneras jamais la légitimité. Quand vous regardez Félix Tshisekedi, dans sa manière de parler, dans sa façon d'agir,
la manière dont il est entouré. Vous comprendrez que Félix Tshisekedi est l'antithèse de son père. Il est aux antipodes de ce qu'a été son père, sur le plan comportemental et politiquement parlant. Je vais vous donner un exemple simple. Quand Étienne Tshisekedi wa Mulumba, le fondateur, le créateur, donc le fondateur du pouvoir, Étienne Tshisekedi wa Mulumba n'était pas tribaliste. Et Félix est tribaliste. Félix, il est foncièrement. Moi, allez ici, mon compte Facebook Prince Epengue, 51 000 Congolais me suivent chaque jour. Vous allez voir les photos. Quand Albert Moleke était directeur de cabinet, quand Albert Moleke est parti, ABTO l'a remplacé. J'étais parmi les rares jeunes Congolais que Papa Etienne Tshisekedi wa Mulumba recevait régulièrement. Presque chaque 2 mois, surtout quand Chalup était en prison en 2012. C'était face to face. Y compris sous sa... il avait l'habitude d'être... Il y avait des fouilles comme ça, je crois, exotiques, qui a été planté en plein milieu de sa parcelle, où il recevait les gens avec sa petite radio. Il avait toujours les pieds mis dans un truc comme ça. Et chaque fois que je parlais avec lui, je n'ai jamais senti quelqu'un de tribaliste. Regardez dans tous les meetings, presque tous les meetings. Pourtant, IDPS était un grand parti. Il était entouré toujours de Frank Diongo, de Mwemba, de Fayulu. Félix était là, Ngele Photo et les autres. Et pourtant, IDPS a des cadres qui, excusez-moi, majoritairement, je dirais, aujourd'hui, majoritairement, les cadres d'IDPS sont du Kasaï. Mais à l'époque, il y avait une diversité autour de lui, au point que partout où il partait, quand il y avait des réunions, Genval, ici à Kinshasa, des grands meetings, on regardait au stade des martyrs, qui était derrière lui en 2011, car pour la première fois, un politique a rempli ce stade. Toujours une diversité de tribus derrière lui. Mais regardez Félix Tshisekedi. Quand il y remplace son père comme président de l'UDPS, c'est Peter Kazadi qui était, je crois, son détail. Merci beaucoup. Ils sont une liste comme ça, des membres du cabinet. 95% les gens de sa tribu. Merci beaucoup. Donc, rien que sur cet aspect-là, Félix est l'opposé, l'antithèse et aux antipodes de feu son père. De son père. D'accord. Si le plan de la conception même de l'état de droit. Je vais vous repasser la parole. J'ai l'impression que Félix est à une année de lumière de la compréhension de ce que c'est qu'un état de droit. Je vais vous repasser. Au vu de la manière dont il est en train de carrément saucissonner les dispositions constitutionnelles, alors que son père n'a idée je vais vous repasser que pour le respect de la Constitution. D'accord, je vais vous repasser la parole incessamment. Donner la parole aussi à votre débatteur en face, Monsieur Trésor Kalala. Vous êtes à l'Union Sacrée, vous êtes dans un parti politique qui soutient le chef de l'État, vous avez battu campagne, vous l'avez soutenu depuis son premier mandat, aujourd'hui son second mandat. Le slogan qui était en vogue à l'époque au son premier mandat, c'était le slogan du peuple d'abord. Il a même dit, il a promis au peuple qu'il ne matérialisera cette volonté de son père. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez l'impression que cette volonté est-elle en train d'être matérialisée ou le chef de l'État s'est perdu à travers ses actions et son entourage? Merci beaucoup pour la parole. D'abord, j'aimerais rapidement ici ramasser ce que venait de dire mon co-débatteur tout à l'heure par rapport au tribalisme qui serait caractérisé par Félix Tshisekedi. Moi, je n'aime pas souvent ces débats-là. Je le trouve très, très inutile, vraiment banal. Écoutez, on ne peut pas parler du tribalisme du temps de Tshisekedi pendant qu'il a été précédé par un certain Joseph Kabila. Monsieur Dan, dans ces pays, on n'a jamais vécu du tribalisme comme celui qu'on a vécu de 97 à 2018, avec d'abord Kabila le père et Kabila, enfin celui que vous appelez Kabila fils. Ici, dans ces pays, pour que tu vives librement, il fallait apprendre à parler Swahili. Dans ces pays-ci, tu vas à la fonction publique, de la sentinelle au directeur général. Ce sont des Swahilophones. Quand vous allez dans des cabinets ministériels,
de la sentinelle au ministre en passant par tous les conseillers chargés d'études. C'est les Swahili. Dans l'armée, depuis quand nous on a connu l'armée par les Swahili, ici à Kinshasa, même pas à Kinshasa, au Congo, la langue de l'armée, on a connu que c'était Lingala. Mais depuis que les Swahili font ont dirigé ce pays, la langue de l'armée est devenue les Swahili. Il suffisait d'aller dans les cours des tribunaux. Quand tu as un procès contre un Swahili, mais tu es perdant en avance. Tu es perdant en avance. Ce sont des choses qu'on a vécues. C'est notre histoire récente. Tshisekedi n'est pas tribaliste. Regardez les animateurs des institutions. Regardez. Qui est le premier ministre? Je crois qu'il est du Congo central. Qui est le président de l'Assemblée nationale? C'était quelqu'un de Nord Kivu. Qui est le président du Sénat? C'est un Katangais. Qui est le directeur de cabinet du chef de l'État? Il n'est pas de sa tribu. Le directeur de cabinet adjoint, il n'est pas de sa tribu. Alors, c'est sur quelle base on veut placer le tribalisme du président de la République? Dans ces pays, tu ne touches pas à un Swahili quand Kabila était encore au pouvoir. Tu ne l'insultes pas en public. Mais aujourd'hui, la tribu du chef de l'État, mais quand tu penses, mais Balouba, Moulouba, Balouba, et c'est en public qu'on insulte les Balouba. Et personne n'est inquiété. Mais du temps de Kabila, tu ne touches pas à un Swahili. Donc moi, je crois qu'on a suffisamment avancé. C'est un débat dans lequel moi, je n'aime pas m'attarder. Tshisekedi n'est pas tribaliste, il y a équilibre. Où on constate seulement qu'il y a une certaine haine contre la tribu Luba, c'est clair. Où on ne veut pas qu'un Luba occupe une fonction. Mais vous verrez dans ces pays, s'il vous plaît. Mais lui, plutôt à comparer son feu son père et Félix. Écoutez, il a pris un fin privé, UDPS, pour déverser cela sur la gestion du pays. Nous parlons des institutions, le tribalisme est constaté où? C'est dans la gestion de la race publique où on voit qu'il y a, du tribalisme. D'accord. Donc, le peuple dans ces pays, on ne peut pas parler du tribalisme avec Félix Tshisekedi. C'est faux et archi-faux. Il y a de l'équilibre, donc c'est vraiment un faux débat. Le peuple, d'abord, comme vous dites, c'était un slogan du feu Étienne Tshisekedi, d'heureuse mémoire. Alors, est-ce que c'est d'application où Tshisekedi s'est perdu, il ne sait plus par où commencer? Non, j'ai dit, c'est pas ça. Écoutez, lorsque Tshisekedi prend ses pouvoirs, il faut voir dans quel état il a trouvé d'abord ce pays. Vous avez un président qui trouve un pays dans lequel il a été succédé par 4 présidents. Tshisekedi, c'est le 5e président de ce pays. Ok? Il a été précédé par 4 présidents. Mais est-ce qu'il est en train de marquer la différence? Je suis en train d'arriver. Tshisekedi hérite un pays où il y a eu un Kassavubu, 4 ans au pouvoir, un Mobutu, 32 ans au pouvoir, ok, Kabila, 4 ans, Joseph, 18 ans. Et lui, il prend le pouvoir, il a 6 ans. Vous ne pouvez pas lui imputer les péchés de tous ses prédécesseurs. Non. Écoutez, s'il te plaît, Dan, tu me relances à toi, mais lui, tu ne les relançais pas. Il a parlé librement. Allez-y. Écoutez, vous ne pouvez pas lui imputer les péchés de tous ses prédécesseurs, de plus d'une demi-siècle, que lui vienne payer ça, résoudre ça dans 6 mois. Écoutez, vous trouvez un pays où il y a 4 présidents qui sont passés là-bas, qui a encore un problème de route. Si c'est qu'il arrive au pouvoir, il trouve un problème de route. Il trouve un problème de l'eau et de l'électricité. Pendant qu'il y a eu 4 présidents avant lui, il hérite d'un pays où il n'a pas trouvé un seul bateau de pêche. Il n'a pas trouvé une seule minoterie. Non, nous parlons... Mais je suis en train de te faire en fait, le topo de quel pays il a trouvé. Alors, quand il arrive... Mais écoutez, le développement ou les changements, c'est sur la durée. Le développement, c'est sur le temps. Ce n'est pas par un coup de bâton magique que tout va changer. Mais en 10 ans, écoutez, vous pensez qu'il peut inscrire son nom? Tshisekedi ne fera pas tout. En lettres d'or. Tshisekedi. Mais il a quand même. Écoutez, son bilan quand même est Tshisekedi, bon. Sur les 6 ans, Tshisekedi quand même... ne fera pas tout. Merci. Il fera. Non, mais lui, il a pris presque 13 minutes. Non, 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 je vous ai donné aussi le. Non, à peine, même pas 5 minutes. Non, Dan. S'il vous plaît, laissez-moi m'exprimer librement. Donc. Il a trouvé un pays comme ça. Et le développement, c'est sur la durée. Les changements, ce n'est pas par un coup de bâton magique.
Il a trouvé les pays comme il a trouvé. Regardez l'état dans lequel il trouve notre armée. Il y a des nettoyages qui sont en train de se passer là-bas. On est en train d'extirper les mauvais éléments et à bientôt, nous aurons une nouvelle armée. Il a trouvé quel budget? D'accord. Un budget qui était à 3 milliards. Aujourd'hui, regardez le budget que nous avons aujourd'hui. Nous avons les 17 milliards. Ce sont des pas qui sont en train d'être franchis. Regardez, là, trouver les services nationaux qui ne fonctionnaient plus, qui existaient, mais qui ne fonctionnaient plus. D'accord. Aujourd'hui, nous avons les services nationaux qui viennent de ressusciter, même si on n'a pas atteint l'idéal. Il y a un petit pas qui vient d'être franchi que nous devons encourager. Donc, ne faites pas comme si le Congo a commencé à exister avec la venue de Tshisekedi au pouvoir. Le Congo a existé et avant Tshisekedi, il y a eu 4 présidents qui lui ont laissé les problèmes de l'eau, de l'électricité, des routes, de la santé. Tout le monde, on lui a fait hériter ça. Alors, il est là, nous sommes en train de nous battre petit à petit. Nous allons changer les choses. Donc, il ne faudrait pas qu'on prenne tous les péchés du monde, mettre sous la tête de Tshisekedi. Il est là, il ne fera pas tout, mais il nous laissera quelque part. C'est la moindre des choses. D'accord, merci beaucoup. Merci beaucoup. Quand on hérite, il y a l'actif et le passif. Dans le passif, il y a tous les mots. Et dans l'actif, il y a quand même des petites choses qu'il a arrêtées. Mais nous, mais vous ne direz pas que Tshisekedi n'a rien fait du tout. Non, on n'a pas dit ça. Ah, voilà. Et je vous avoue qu'il ne fera pas tout non plus. Il ne fera pas tout. D'accord. Monsieur Prince Epengue, vous êtes en train de parler, faire la comparaison entre le père et le fils. Mais nous sommes particulièrement sous ce slogan. Le peuple d'abord, c'est un slogan qui incarnait un peu, c'était un nouveau vent, un vent du changement. Vous percevez cela dans la gestion de la chose publique au premier mandat, au second mandat? Est-ce que vous le percevez ou vous ne le percevez pas? Et si vous ne le percevez pas, à quel niveau vous ne voyez pas que le chef de l'État agit? Parce que M. Trésor Kala vient de dire, il y a un petit quand même, pas, il n'a pas fait tout, mais il a quand même fait quelque chose. Depuis qu'il est là, il a quand même fait quelque chose. Quel est votre avis à ce sujet? Merci, Monsieur Dan. Vous me permettrez de vous dire que il y a un problème avec nos amis de l'IDPC et de l'Union Sacrée. À les entendre parler, facilement on peut penser qu'ils ne vivent pas sur cette terre. Ils ne sont pas dans ce Congo-là. Ce n'est pas le Congo dans lequel vous et moi, nous vivons. C'est comme si Félix et ces gens viennent d'une autre planète, certainement de la planète Mars. Comment ça? Je ne peux pas comprendre que quelqu'un qui vit au Congo puisse dire tout ce qu'il dit. Donc, il n'y a rien qui est fait? Ils sont dans la logique de dire que les mal, les problèmes, c'est les autres, pas Félix. C'est grave. Je ne les cesserai jamais de le dire. Non, il n'a pas dit ça. Je n'ai pas dit ça, non? Les premiers pas pour résoudre un problème, c'est d'abord reconnaître que les problèmes existent. Oh, et ils ne reconnaissent pas qu'il y a un problème. Ils sont aveuglés. Non, ils disent qu'il y a un problème. Le problème vient de plus de 50 ans de gestion du pays. Entendez. Et puis, ils sont en train de corriger les erreurs de ceux qui les ont précédés. Kabila n'a rien fait. Mobutu n'a rien fait. Ils ont laissé tous les problèmes, c'est pas par quel achantement, à Félix Tshisekedi. Kassavou, vous n'avez rien fait. Selon l'IDPC, l'Union Sacrée. Je ne sais pas si les stades des martyrs que la bande Force du Progrès est allée casser, piller dernièrement, si les stades des martyrs étaient construits par Félix. Si Mobutu n'avait rien fait. Le barrage. Non. Nous faisons une évaluation de la gestion d'un président. Vous comprenez que je suis en train d'abord de répondre à ce qu'il a dit. De sa prise de pouvoir en 65 ou en 60 jusqu'aujourd'hui. Je suis en train de répondre d'abord à ce qu'il a dit. Globalement, c'est positif ou négatif? Il a dit qu'il n'a pas trouvé de l'électricité. Il n'a pas trouvé d'eau. Il n'a pas trouvé de route. Ça dit que Mobutu, Kabila, Kassavubu n'ont rien fait. Mais il n'y a pas de courant, c'est vrai. Le taux de dessert est très faible. Je ne sais pas si c'est le programme Tshilenjelu qui nous a permis d'avoir le barrage d'Inga.
Je ne sais pas si c'est 100 jours qui nous a permis d'avoir les stades des martyrs. Le barrage est là, le stade. Ça, c'est un fait. Oui. Donc, qu'il soit modéré, qu'il soit respectueux au moins du paix qui a été fait. Allez, passer. Mais vous devez reconnaître maintenant, que tu sais qu'il dit fait. Maintenant, il dit, c'est ce qu'il ne va pas résoudre tout. Évidemment, il ne va pas résoudre tout. Dites-moi, pourquoi allons-nous solliciter les suffrages de nos compatriotes pendant les élections? C'est parce qu'on a reconnu qu'il y a un « ça ne va pas ». Évidemment, vous avez vu que la desserte en électricité n'est pas bonne. Très faible. La desserte, on parle de combien, 15%, 16% dans les grandes villes. À l'intérieur, c'est moins de 5%, même dans les grandes villes. Moi, chez moi, là, à Kinshasa, Limité, les courants ces derniers temps. En tout cas, il y a un mois, les courants étaient un peu stables. Mais là, retour aux enfers, aux entrailles, dans les noirs, dans les trous noirs, les courants arrivent à 23h et est coupé à 6h depuis une semaine et demie à Limité. Mais c'est parce que nous avions fait le constat qu'il y avait l'insécurité, qu'il n'y avait pas une desserte en eau convenable, il n'y avait pas de desserte en électricité convenable pour notre peuple, qu'il n'y avait pas d'emploi. Et nous avons dit au peuple, parce que Kabila n'a pas su créer d'emploi, parce que Kabila n'a pas pu amener les investisseurs pour créer des sociétés et par conséquent donner des emplois aux Congolais, parce que Kabila n'a pas su vous sécuriser, parce que le système de santé est en lambeaux et les Congolais meurent par faute de moyens pour accéder au système de santé, à des soins de qualité. Congolais, il faut cracher Kabila, il faut le faire partir. Pourquoi nous avions appelé les Congolais à sortir dans les rues pour demander le départ de Kabila? Ce n'est pas pour qu'on vienne à la télé dire « Oui, mais Kabila n'avait pas donné d'eau. » Ça, les Congolais le savent. Nous, la Mouka et ADD Congo, nous avons un très grand meeting à la fin de ce mois d'août. Mais nous, les autres Congolais, Félix ne travaille pas bien. Félix a laissé 4 territoires partir, etc. Mais le jour où on arrive, on ne va pas rappeler aux Congolais « Félix ne vous avait pas protégé. » Non, ce n'est pas ce qu'ils ont envie d'entendre. Les Congolais n'ont pas envie d'entendre que hier, Kabila n'avait pas bien travaillé. Aujourd'hui, les Congolais veulent savoir qu'est-ce que vous avez fait. Attention, vous dites, oh non, ça demande du temps. Mais ça me rappelle ce que Félix lui-même a dit dans son interview ratée il y a 2 semaines. Oh, je viens à peine d'arriver. Je viens à peine de commencer. Papa, vous avez fait 6 ans. 6 ans. Merci. Les réformes n'ont pas pu être amorcées. Pour que les choses changent. 8 minutes. Non, pas du tout. Par contre, il a commencé à 37. Vous parlez des slogans, s'il vous plaît. Respectez ceux qui sont avec vous ces débats au lieu de nous distraire là avec l'histoire des temps. Vous avez dit le peuple d'abord, slogan d'actualité ou oublié. Lui, quand j'ai fait l'analyse comparée, j'ai pris le soin de vous dire que le slogan est une invention de son père. Lui ne fait que usurper les slogans. Donc, Félix Tshisekedi n'a pas pesé ses slogans. Ce qu'il voulait dire son père, et c'est comme ça que je lui ai dit que non, il est aux antipodes. J'ai même dit que Félix avait mal compris son père. Donc, mais lui, il n'a pas vu la comparaison que j'ai faite. Si. Très bien. Comment les propriétaires du slogan s'est comporté? Papa Etienne Sekou Lumumba. Comment il était avec nous dans l'opposition? Comment il y rassemblait tout le monde? Mais il dit, non, mais Félix, regarde Félix, il a nommé un premier ministre qui est du Congo central. Et, mais Kabila avait nommé Mouzito, non? Il était qui? Il était du Bandundu. On a compris. Kabila avait nommé Mouzito. Mouzito était de quelle province? Du Bandundu. On a compris. Kabila avait nommé Gizenga. Gizenga était qui? Du Bandundu. Kabila avait nommé Matata. Matata était qui? Merci beaucoup. Donc, en fait, ce n'est pas ça, ce niveau-là. Le tribalisme, ses voix, ses sangs, ça sent même l'odeur du tribalisme. Allez dans les entreprises. Allez-y dans les services de renseignement, à l'ANER et tout ça. Vous allez voir une liste de 80 personnes. Ou 70. Ce n'est pas cette vitrine-là du gouvernement. Merci beaucoup. Ce n'est pas cette vitrine-là du gouvernement. Ça, c'est un leurre. C'est dans l'administration que vous allez sentir l'odeur du tribalisme de Félix Tshisekedi. D'accord. C'est dans les nominations à l'étranger que vous sentez cela. Ce n'est pas le gouvernement. Ça, c'est un écran de fumée. Donc, merci beaucoup. En définitive, je reviens sur le thème pour dire, et je chute par là, que hier, c'était
le peuple d'abord. Aujourd'hui, c'est Félix d'abord. C'est l'IDPS d'abord. Et l'intérêt du peuple qui, nous pouvons le supposer, était au centre des préoccupations de Étienne Tshisekedi de Lumumba. Aujourd'hui, si c'était vraiment les slogans de son père qu'il appliquait, on ne serait pas, 2 ans après cette guerre d'agression, que le peuple, la vie des Congolais sont fauchées, les vies des Congolais sont fauchées chaque jour à l'Est. Et que Félix Tshisekedi se contente seulement d'inaugurer le chrysanthème, marcher sur le tapis rouge, merci voyager, beaucoup. Et pas vraiment s'occuper de mener la paix. Monsieur Trésor, le peuple doit être la préoccupation principale et prioritaire de tous les dirigeants. Merci. Or, quand vous regardez très bien ce qui se passe, merci beaucoup. Le peuple est laissé au bord de la route. Merci beaucoup, on a compris. Monsieur Trésor Kalala, je vous donne aussi les mêmes minutes, ne vous en faites pas. Alors, dites-nous, vous qui parlez d'un pas en avant déjà, dites-nous un peu, donnez-nous un peu quelques réalisations du président qui montre vraiment que voilà, les peuples d'abord, le slogan a été en application. Quels sont les éléments qui montrent ça, s'il vous plaît? Merci beaucoup, monsieur Dan. Vous avez vu quand mon débatteur parlait, j'étais en train de sourire. Il dit, est-ce que je veux banaliser ce que Mobutu a fait, ce que Kabila a fait, ce que Kassavubu a fait. Non, je ne banalise pas. Mais je dis, ils ont laissé le pays dans un état calamiteux. Dan, vous savez les circuits routiers de Kinshasa, ok? C'est 3600 kilomètres, les circuits routiers de Kinshasa. C'est 3600 kilomètres. Mais vous savez, quand Tshisekedi prend le pouvoir, il trouve 700 kilomètres seulement asphaltés. Sur le 3600 kilomètres, donc depuis Kassavubu, Mobutu, Kabila, Joseph, et lui arrive au pouvoir, sur les 3600 kilomètres de route, il ne trouve que 700 asphaltés. Et vous allez dire, non, il ne faut pas minimiser ce que les autres ont fait. Mais ils trouvent un pays comme ça. Écoutez, la desserte en électricité, depuis Mobutu, enfin depuis Kassavubu, Mobutu, Kabila, Joseph, la desserte en électricité, le taux d'exécution, 19%. Ils trouvent un pays comme ça. Mais Kassavubu, non. Mais quand même, après l'indépendance, la situation était... Je dis ceci, je parle de l'époque où tu sais que dit l'état des lieux, l'état des lieux du pays, quand lui il prend le pouvoir, il trouve la desserte en électricité 19%. Les routes sur 3600, lui il trouve 700 km asphaltés. Aucun bateau de pêche, aucun. Aucun bateau de pêche, depuis plus d'un demi-siècle. Il hérite un pays qui n'a pas un seul bateau de pêche, qui n'a pas un seul avion viable, qui n'a pas un seul avion viable. Parce qu'il a trouvé Congo Airways, qui était une entreprise déjà, en fait, avec des avions que j'appelle des cercueils volants. Ma tante nous a acheté des avions déjà frappés d'interdiction de sillonner sur le sol, en fait, sur les ciels de l'Union européenne. Donc, c'était des avions déjà en panne. Il nous trouve avec des avions comme ça. Mais en 6 ans, il a... Écoutez, il trouve une insécurité, 340 groupes armés. Il ne trouve pas de minoterie. Rien du tout. Il a hérité un pays comme ça. Nom de Dieu. Même si je suis magicien. Donc, je vais frapper un bâton sur la table et le pays se transforme pouf, comme dans un dessin animé. Non, on y va mollo mollo. Vous parlez de 6 ans. Mon débatteur a parlé aussi de 6 ans. Mais dans les 6 ans ici, il faut retrancher 2 ans. D'accord. Avec le FCC cash, c'était au vu et au su de tout le monde que ces gens étaient en train de mettre de crocs en jambes dans la gestion du pays. Ce n'est pas un secret. C'est comme ça qu'on a dissous cette histoire. Vous allez me dire sinon Kabila avait 1 plus 4. Mais les 4 vice-présidents-là ne dérangeaient pas Kabila, comme on a vu avec le FCC qui était animé de mauvaise foi, pourvu que Tshisekedi puisse échouer. Donc, il a trouvé un pays comme ça. Les cas sont les gens. Alors, vous dites, qu'est-ce qu'il a fait? Mais aujourd'hui, que vous le vouliez ou pas, les enfants qui n'allaient pas hier à l'école, aujourd'hui ils vont à l'école. Dites tout ce que vous pouvez dire. Il y a surpopulation, mauvaise qualité d'enseignement. Dites tout ce que vous pouvez dire. Mais au moins cet enfant-là, qui ne savait pas comment on écrit papa va au travail, maman va au marché, même debout, même sans uniforme, mais au moins il voit comment on écrit ça et comment on lit ça.
Mais c'est quelque chose à féliciter. On n'a pas atteint l'idéal, mais nous sommes en train d'avancer. L'armée que nous avons aujourd'hui, dites tout ce que vous pouvez dire. Non, on a touché tel territoire, on a pris tel... Mais écoutez, mais ces territoires-là, c'est la République démocratique du Congo. Mais vous devez savoir ici que l'armée que nous avions hier, ce n'est pas l'armée que nous avons aujourd'hui. Et d'ailleurs, la manière dont on perd les territoires... Mais pourquoi est-ce que nous perdons des territoires? Mais je suis en train de vous expliquer. Oui. Les territoires que nous perdons, nous savons comment nous perdons ces territoires. Pourquoi? C'est par la traîtrise. C'est par la traîtrise et de la population... Population. Et des militaires et des politiques. Le cas récent, c'est avant-hier. Je ne sais pas si mon débatteur a vu ça. À Butembo, on arrête l'ancien maire de la ville de Butembo parce qu'il était dans la complicité avec les 30 personnes qu'on a arrêtées en liaison avec les M23 pour que Butembo et Beni puissent tomber. Maire de la ville. Ça fait 2 ans que ça dure. Mais écoutez. Ça fait plus de 2 ans que ça dure. Depuis que vous avez vu, depuis ces 2 ans-là, combien de généraux que vous connaissez, de colonels, de majors qui ont fait défection. Il y en a même qui habitaient les camps Kokolo ici. Mais 2 jours, 3 jours, on les voit dans les rangs de M23 qui font même des déclarations en public sans se cacher. Nous perdons des territoires par la trahison de la population, de l'armée et même des politiques. Donc, monsieur Dang, vous êtes responsable de rien. S'il vous plaît, non, je vais arriver. J'ai dit, nous ne ferons pas tout. J'ai dit, nous ne ferons pas tout. Mais le petit pas qui est en train d'être franchi, il faut le reconnaître. Écoute d'abord, on a vu des mamans à Beni, soi-disant qu'elles vont au champ avec des bidons jaunes. Mais dans les bidons jaunes, il y avait des munitions qu'elles allaient donner aux agresseurs de l'autre côté. On a vu des gens encadrer les rebelles dans leur maison. Tout ça. Donc, nous avons trouvé des choses comme ça. Merci. Mais aujourd'hui, nous avons des nouvelles unités. Le budget de l'armée aujourd'hui, ce n'est pas un débat. Regardez les armes qu'on a aujourd'hui. Le nombre dans l'armée a augmenté. Regardez aujourd'hui comment nos militaires sont équipés, sont habillés. La vie chère, les dollars. Mais écoutez, c'est comme ça que je dis. Nous sommes en train d'aller petit à petit. On ne fera pas tout. Vous dites la vie chère, les dollars. Merci. Mais c'est un problème pour les dollars, là, c'est un problème de production à l'interne. D'accord. Écoutez, nous avons derrière, vous me donnez encore toujours la passe. Nous avons trouvé un pays avec une économie à 99% extravertie. Nous achetons tout à l'extérieur. Mais quand lui prend le pouvoir, nous avons commencé à privilégier la production interne. Je vous ai parlé ici du service national. Merci. Aujourd'hui, nous avons des investisseurs qui sont venus. D'accord. Aujourd'hui, il y a les débats sur la toile de Pepsi, merci par exemple. Beaucoup. Pepsi merci. Est venu, ce sont des investisseurs que nous avons convaincus. Aujourd'hui, ils ont engagé plus de 7000 Congolais merci. À Kinshasa ici. Donc, il y a beaucoup de merci cas comme beaucoup. Ça sur lesquels on peut s'y pencher. Mais je dis que Tshisekedi ne fera pas tout. Il laissera le pays quelque part, mais lui, il a trouvé un pays, na Katia Liboulou, Liboulou Moulaï. Donc, si ce bâtiment avait 10 niveaux, il a trouvé ce pays au premier niveau. Et là, merci nous sommes peut-être au troisième niveau, et vous voulez que nous sommes déjà au dixième niveau. Merci. Non, il va laisser le pays quelque part. Merci c'est lui qui viendra, il l'amènera aussi quelque part. Qui sait qu'il ne fera pas tout, mais il y a des bons signaux qui vont dans le sens que d'accord. les choses vont changer. Merci beaucoup, monsieur Trésor Kalala. Rapidement. Deuxième thématique pour avancer, hein. il faut qu'on aille de l'avant. Agression rwandaise, comment l'opposition peut apporter sa pierre de contribution? Puisque nous sommes tous dépendants de ce pays, quand l'ennemi entre, il n'y a pas d'opposition, il n'y a pas de majorité, nous sommes tous en train de peiner. Comment l'opposition peut-elle jouer sa carte pendant cette période d'agression? Monsieur Prince Epengue, vous êtes président d'un parti politique d'opposition, ou même de résistance, comme vous le dites. Comment pouvez-vous jouer la carte, votre carte, soutenir votre pays qui est agressé, bien que vous ne le dirigez pas, mais comment vous pensez aider ce pays à retrouver la paix? Bien, d'abord, j'ai bien peur d'avoir devant moi un fanatique, mais pas... Non, comment ça? Attaquer plutôt ses arguments, mais pas bien la personne. Sûr, mais on reconnaît qu'un fanatique par ses arguments, voyez-vous, et c'est dangereux, et je le répète encore. Pour résoudre un problème, il faut d'abord commencer par reconnaître qu'il existe. Il ne comprend pas qu'il y a un sérieux problème. Tshisekedi, dans les réseaux routiers de 3600 km à Kinshasa, il n'y a rien qui a été fait. Mais il ne dit pas combien... a-t-il fait? Ok. Si les 158 000 km de réseau routier que le Congo a, combien a-t-il trouvé asphalté? Combien
été en terre battue, combien a-t-il fait? Il n'a pas dit. Et pourtant, lui et moi, y compris vous, nous connaissons les différents programmes que Tshisekedi a initiés sous sa gouvernance, depuis qu'il est là. Il a commencé par 100 jours. Ça a été la plus vaste escroquerie à la Pablo Escobar de tous les temps. Rien, à part ces blocs de ciment inutiles et sales qu'on appelle les sauts de mouton, qui contribuent à dérégler la circulation, qu'on appelle les sauts de mouton. Pour vous, il faudrait... Il a initié Chilengelou. C'était un prix perdu où l'argent du peuple est entré et est sorti par 1000 trous qu'on n'a pas si contrôlé. Ensuite, il a initié, je ne parle même pas de Kinelende et les autres, cette affaire des 145 territoires. Moi, j'étais à l'intérieur. J'étais dans plus de 15 territoires. Alors, déjà chez moi, on m'a dit 145 territoires, on va lutter contre les ravins. On va construire l'aéroport de Loja. Allez voir. Allez voir l'aérodrome de Loja. Et donc, quand on sait ce que Félix a fait... Il n'y a rien qui a été fait dans le sens d'apporter la... de soulager la population, notamment en termes d'infrastructures à chevaux. Il a 145 territoires. Parlons-en. Il avait initié des actions. Il avait... On a vu des reportages. Il avait échafaudé. Il avait échafaudé des programmes. Mais malheureusement, comme on dit, tout ce qui se conçoit mal, s'exécute mal. L'argent a été plus détourné qu'avoir servi... Dans les projets sans grand sens de toi. J'ai dit, tous les projets que tu sais que tu as initiés, tous ont donné lieu à des détournements massifs d'argent public. Et comme conséquence, ils n'ont pas atteint leurs objectifs. Mais ça satisfait de cette façon-là. Vous lui dites que non, il y a faim. Les Congolais ont faim, ont soif. Ils vous disent non, tout va bien. Il y a la production. Il y a la production. Tu sais que d'être allé dire au Sénégal que nous faisons 30 millions d'économies en matière d'importation de farine. Parce que selon lui, au Congo, je vais utiliser ce terme, nous impliquons le manioc dans la fabrication de la farine. Vous connaissez dans quelle usine? Le pain. Dans les fabrications du pain. Des pains. Des pains. C'est où vous, la dernière fois que vous avez mangé un pain à base de farine de bagnole? Non, il y en a quand même. Il y en a. C'est où? Il y a des privés qui utilisent le... C'est dans la composition. À quelle hauteur? Il y a des pains à 100% manioc. À quelle hauteur, je dis? Et il a dit qu'il a fait des économies de 30 millions de dollars. C'est un gros mensonge qui est sorti tout de suite comme le nez de Pinocchio. C'est totalement faux. Alors, il ne met pas de la production, il dit, oh, service national. Mais papa, vous blaguez, c'est une blague. Le service national. Parce qu'il est revenu plusieurs fois, si, bateau de pêche, oui, il est arrivé, il n'a pas trouvé le bateau de pêche. Il en a acheté combien? Ils sont allés prendre deux pirogues. Ce sont des pirogues. Qu'on a peint et qu'on amène ici, les mêmes jours on essayait, sans l'eau s'infiltrait. Mais par le nom, ils sont sérieux. De l'agression. Ils sont sérieux. Ils sont allés acheter des locomotives de 1936. Tout à tête, qu'on a peint, qu'on a amené au Katanga là-bas, on dit non, on va faire c'est pour le service national. À peine qu'on ait démarré les montées, tout ce qui dégage comme fumée, les spécialistes ont dit non, ça ce sont des occasions. C'est cette locomotive que Staline a amené les militaires pendant la Deuxième Guerre mondiale. Donc arrêtez de se moquer du Congolais. Aujourd'hui, dans tout le pays, il n'y a pas de production. Regardez, le ministre Paluku, Julien, a pris une décision à l'emporte-pièce, sans réflexion aucune, pour des raisons purement populistes, en disant non. Les faïences, les carreaux n'entrent plus de la Zambie. Et les coca, les boissons sucrées n'entrent pas. Et en une journée, l'État zambien a mis Félix Tshisekedi et son gouvernement à genoux. Deux jours après, ils sont revenus sur les décisions en disant non, maintenant, la Zambie peut importer tout ce qu'il veut. Exportant. Oubliant qu'aujourd'hui,
Lisez l'ouvrage du professeur Moïla Tchiembe sur la mondialisation. La compétitivité est basée sur les rapports qualité-prix. Moi, j'étais responsable de services qualité dans une société. Vous fabriquez quoi? Parce que j'ai suivi Palouku aussi, Radio Capi. Il dit, nous allons faire tout pour que les Congolais produisent les produits, par exemple, les carreaux de bonne qualité. Oui, les carreaux de bonne qualité, c'est bien. Que les Congolais produisent en grande quantité. Oui, c'est bien. Mais il a oublié un élément important. Vous pouvez produire les produits de bonne, vous pouvez fabriquer les produits de bonne qualité, en grande quantité, mais à quel prix? Comment c'est possible que ici, les choses qui sont fabriquées ici coûtent cher, beaucoup plus cher que les choses qui sont importées de la Chine où on doit payer la douane et les transports? Merci beaucoup. Donc, ça manque de l'intelligence dans les politiques. Ça manque du réalisme. Alors, nous dire ici que le service national nourrit combien de Congolais? Merci beaucoup. On va faire on fera un débat. C'est du saupoudrage. J'aime bien ce que le général fait, mais les efforts qu'il fournit, sur une échelle de 1 à 10, il est encore au niveau 0. Merci beaucoup, monsieur Prince. Alors, venez vous inventer et dire que non, mais nous, là, nous faisons des efforts. Quels sont ces efforts-là que vous faites? Est-ce que le peuple d'abord est définitivement ce qu'il dit d'abord, il dépasse d'abord. Le peuple n'a pas trouvé son compte dans ces régimes usurpateurs. Merci beaucoup. Je vous repasserai la parole pour finir. Je vous donne aussi votre avant-dernière prise de parole. On va finir par vous. Donc, je parlais de l'agression rwandaise, bien que vous n'ayez pas abordé la thématique. Je vais vous repasser la parole sur cette thématique. C'est nécessairement au moment de la fin, il n'y a pas de problème. Comment l'opposition peut jouer sa carte ou apporter sa contribution? Est-ce que l'opposition, en d'autres termes, l'opposition apporte-t-elle sa contribution pour résoudre cette crise de l'Est de la RDC? Non, mais vous avez un opposant en face de vous. Ils n'ont aucune proposition. Aucune proposition. Eux, tout ce qui les intéresse, c'est critiquer Tshisekedi du matin, midi, soir, mais pas apporter de propositions concrètes. Et je crois qu'il aura la parole, vous verrez qu'il ne dira rien du tout sur ça. D'ailleurs, il a échappé à la question, il a divagué. Donc, lorsqu'il parlait, il m'a traité de fanatique. Mais lui, il est haineux. Une haine rémunérée. Vous voyez comment il a déversé sa haine sur ses plateaux. Comment ça? Lorsque moi je dis Kinshasa a un circuit routier de 3600 km, nous avons trouvé 700 km seulement asphaltés. Et lui, il me dit, oui, vous avez trouvé tout ça, mais quelle est cette route que vous avez asphaltée? Quelle est la route? Lui, il n'a pas vu. Et puis, il a dit qu'il habite Limité. Je ne veux pas aller ailleurs. Je me limite seulement à Limité. Parce qu'il habite Limité et vous allez comprendre qu'il est haineux. L'avenue 7e rue. Asphalté. 12e rue, 13e rue, 14e rue, 15e rue, 16e rue. Ce sont des avenues qui ont été asphaltées. Le petit boulevard de Coïdro jusqu'à la 17e rue, 18e rue même, c'est asphalté. L'avenue Salvias, Bégonias, même la première rue d'Ilandos, asphalté. Lui qui vit à Limité, il n'a pas vu ça. Tout ça parce qu'il est l'individu de Tshisekedi. Il a la haine contre l'individu de Tshisekedi. Même quand Tshisekedi lui fait la route, qui lui fait arriver chez lui, lui dit non, je n'ai pas vu, je n'ai pas roulé sur cette route pendant que la route existe et nous tous, nous avons vu. Mais le projet... Donc vous constatez déjà le niveau de la haine et de la méconnaissance des efforts que nous sommes en train de fournir parce que c'est palpable, nous sommes en train de voir ça. Mais le projet Zéro Trou, est-ce qu'on en est aujourd'hui? Écoutez, le projet Zéro Trou, je maîtrise ces dossiers. Ce dossier a été confié à l'OVD. Ok? C'est le FONER qui devait financer l'OVD pour qu'on puisse nous faire le projet Zéro Trou qui a été exécuté à 50%. Il faut ici retenir que Zéro Trou devait s'étendre sur 104 km. Plutôt 108 km. Mais seulement 54 km ont été effectués et les 54 autres n'ont pas été effectués parce qu'il n'y a pas eu un financement supplémentaire pour finir la dernière tranche des Zéro Trou. Mais vous verrez que l'entrée Matete, c'est Zéro Trou. Liboulou Manzengele, c'est Zéro Trou. Avenue de la Paix, c'est Zéro Trou. C'est comme ça que j'ai dit. C'était, comment dire, un terme générique pour dire Zéro Trou ou bien c'était réellement Zéro Trou? Il fallait couvrir les routes, en fait, le trou sur une longueur de 108 km. On a exécuté que 57 km, dont je n'ai pas l'affiche ici, mais je retiens quelques
secteurs qui ont été touchés. C'est comme ça que je vous l'ai dit, l'entrée Matete, avenue de la Paix, les Boulouma-Zengele et tout, oui. C'était dans le projet Zéro Trou qui était effectué en partie. Donc, ici, il faut méconnaître les efforts que vos amis sont en train de fournir. Ils parlent au service national. Je l'ai dit ici, on n'a pas atteint l'idéal, mais il y a un pas qui a été franchi. Aujourd'hui, ce n'est plus un débat, c'est un acquis. Dans tous les camps militaires et des policiers, un sac de farine de 25 kilos se vend à 18 000 francs, produit qui provient de Kanyamaka CC. Ce n'est pas l'idéal, mais le petit pas qui vient d'être franchi, parce que ce service-là était mort, nous avons ressuscité petit à petit et il y a des résultats palpables. Donc des choses comme ça, il faut les reconnaître, ce sont des évidences. Devant les évidences, on s'incline. On ne déverse pas sa haine parce qu'on est seulement l'individu de Félix Tshisekedi. Donc vous avez déjà compris que là, il a menti en disant qu'il n'a jamais vu une route pendant que les Kinois, malgré qu'on n'a pas atteint l'idéal, mais il y a des routes qu'on a construites qui sont visibles, nous marchons dessus, nous roulons dessus. Les routes sont là. J'ai cité les noms des avenues ici et les Kinois les savent. Donc lui, que sa haine ne l'amène pas à être même aveugle. Je suis désolé. Problème de l'Est. Je venais de le dire ici. Aujourd'hui, l'armée que nous avons, ce n'est pas l'armée qu'on avait hier. Les armes qu'on a aujourd'hui, ce ne sont pas les armes qu'on avait hier. Le budget de l'armée qu'on a aujourd'hui, ce n'est pas le budget qu'on avait hier. Nous avons largement évolué. Mais il y a un sérieux problème. Le problème que j'avais évoqué dans mon deuxième tour de parole, c'est le problème de la trahison sur les lignes de front. On va même vous dire que le territoire, en fait, le village que nous perdons, ce n'est même pas par un affrontement. Ces gens-là, ils entrent facilement. On vous dit non, c'est un repli stratégique. Mais qui ne sait pas que ces territoires-là sont vendus par nos généraux qui sont en front? Nos ennemis nous achètent, ils nous achètent les territoires. Et là, c'est dans la complicité avec les généraux, les politiques, pour finir. Et même la population. C'est comme ça que moi, je suis en train de demander au président de la République si on peut relever tous ces généraux. Les chefs des opérations là-bas, mettre des nouveaux chefs des opérations qu'ils ne soient pas autochtones. Vous comprenez? Parce que les gens qui sont autochtones là-bas, je ne veux pas citer les noms des gens ici, nous sommes à la télévision, la majorité sont dans cette mafia, ils vendent nos territoires aux ennemis et sans combat. Alors, donc, moi je demande au président de la République de relever tous ces généraux, mettre de nouveaux chefs d'opération pour que nous puissions conquérir certains territoires occupés. J'enchaîne avec vous, j'allais finir avec vous, mais j'enchaîne, je vous donne une dernière question, comme ça lui va finir. Willy Mishiki, élu de Walikale, il dit que les militaires qui vont combattre au front n'ont pas de rations nécessaires pour pouvoir se battre sous place. Écoutez, voilà pourquoi ils désertent la ligne de front. Il faut, c'est comme ça que je dis. Il est élu de Walikale. Il y a un sérieux problème de commandement. D'abord, on avait menti au chef de l'État qu'au front là-bas, il y avait... Mais ouais, on avait menti à l'époque qu'au front, il y avait 21 000 hommes. Mais quand le chef fait les déplacements, il se rend compte qu'il y avait 5 000 hommes seulement qui se battaient, pendant qu'eux lui ont toujours dit qu'il y avait 21 000 hommes. Mais ce que Willy Mishiki dit, il me rejoint. Vous comprenez que nous sommes en train de perdre cette guerre par traîtrise, par manque de patriotisme de nos politiques, ici, moi, soyez à le dire, vous les députés du Nord Kivu, quittez les groupes armés, sinon je vais le dire. Nous avions vu ici avec vous deux députés de l'Est se battre à l'hémicycle où Tingi Poulou a eu même intervenir parce que son groupe armé est allé creuser dans le puits de minerais de l'autre député. Donc les deux députés entretiennent des groupes armés à l'Est, et leurs deux groupes armés se sont affrontés. Ici, nous l'avons vu. Donc, cette guerre, il y a les politiques qui sont dedans, il y a l'armée qui est dedans, notamment le commandant des opérations, et aussi la population elle-même qui est complice. Je vous ai dit, on a attrapé combien de fois des jeunes qui, avec des armes, soit ils ravitaillent les ennemis, soit ils cachent les assaillants et qui tuent dans leurs environs. Donc, c'est un monstre à mille têtes. Nous allons résoudre ce problème. Ça ne date pas d'aujourd'hui. C'est près de trois décennies. Oui. Nous nous battons. Nous allons finir avant que nous ne puissions quitter le pouvoir. Eh bien, cette population trouvera sa paix parce que c'est ça même notre leitmotiv dans notre action gouvernementale. C'était la promesse de Félix Tshisekedi au premier mandat. Il disait, si je n'arrive pas à résoudre la question de l'insécurité de l'Est... considérait que mon mandat était un échec, il le disait lui-même. Donc,
On ne sait pas si... Vous comprenez que... D'accord. Ça lui tient à cœur. Mais il ne l'a pas fait. Écoutez, c'est près de 30 décennies aujourd'hui nous nous battons. Mais comme je vous dis... Sa promesse n'a pas tenu. Pas qu'il l'a... Il est en train de le faire. Il est en train de le faire. Mais malheureusement, il y a des gens qui mettent le bâton dans les roues. D'accord. Mais nous, nous n'allons pas lâcher. Monsieur Prince nous irons jusqu'au bout, jusqu'à ce que cette population trouvera sa paix. Monsieur Prince Epengé, la question de l'Est, comment mettre fin à ce problème? Est-ce que le problème de l'Est, c'est la personne du président? Parce qu'à l'époque, on a culé Kabila. Kabila, voilà, s'il part. Est-ce que vous pensez que c'est un problème individuel lié particulièrement à la personne de Tshisekedi? Ou il faut des décisions, des actions plutôt pour mettre fin à ça? Oui, dans mes minutes, laissez-moi d'abord dire à notre ami que quand une machine élévateur qui a été conçue pour soulever une charge utile de 5 tonnes sur une hauteur de 200 mètres n'arrive qu'à soulever une tonne et a toutes les peines du monde pour ne serait-ce qu'élever à 10 mètres, c'est que cette machine n'a pas son utilité. Il n'y a pas beaucoup de minutes. Hein? Quand vous construisez une voie de 1 km qui coûte, d'après les prix connus de tous, 1 million, 1 km, 1 million de dollars, et que vous construisez 1 km avec, en utilisant 6 millions, 5 millions de dollars, ne demandez pas à la population de vous applaudir. Je reviens à la question pour dire que Félix n'a pas créé cette guerre. Félix ne l'a pas occasionné. Mais Félix l'a aggravé. Félix a contribué à faire pourrir la situation, notamment par son amitié avec Agame pendant 3 ans. Mais les rapports... Malgré les sirènes... Les groupes armés, le nombre a baissé. Vous savez, quand j'entends mon co-débatteur de l'Union Sacrée parler, de l'IDPS, je me dis, les Congolais ont raison. Aujourd'hui, les Congolais entendent les départs de Félix comme ils entendent l'arrivée de Messi. Les Congolais ont tellement marre du régime Tshisekedi. Vous êtes battu contre Kabila. Mais je vous dis la vérité. Et c'est les Congolais ont soif de voir Félix partir avec tous ces gens. Vous voulez voir Kabila partir? Il y a tellement... Oui, mais parce qu'ils ont compris que Félix est sur les pas de Kabila. C'est un problème d'homme ou c'est un problème lié au système? Le système n'a pas changé. Parce que les hommes qui sont censés changer le système demeurent les mêmes. Parce qu'une institution n'a que des institutions où une institution n'a des valeurs que celles que lui confèrent ses dirigeants. Si vous avez un dirigeant qui est outillé pour son job, l'institution sera efficace. Mais si vous avez un dirigeant qui n'est pas meublé pour son job, l'institution qui dirige. Donc vous voulez dire que si Tshisekedi part, la question de l'Est sera déjà résolue? Ou bien ça demande. Non, le départ de Tshisekedi. Si Fayulu prend le pouvoir, par exemple, puisque c'est votre candidat, s'il prend le pouvoir, il va résoudre automatiquement. Il va changer le système et il y aura des répercussions. Regardez, tenez. Vous venez de dire ici que Willy Michiki a dit quoi? Que les militaires partent au front affamés. Ils n'ont pas une ration suffisante. Mais c'est ce que je dis. C'est-à-dire que les militaires qui se battent sont affamés. Un militaire qui se bat va très vite. Les militaires disent que nous avons besoin de moyens matériels. Un outil militaire conséquent, adapté à la proportion ou qui tient compte de la proportion de la puissance de feu de l'ennemi. Mais depuis qu'on est sur ce plateau, on nous casse les oreilles par une loi de programmation militaire, comme si c'était une invention de Félix Tshisekedi. Plus de milliards de dollars. Mais les milliards supposés qui donnent à l'armée partout. Les milliards, c'est... C'est la première fois depuis l'indépendance. Hein, supposés, j'ai dit bien, des milliards supposés donnés à l'armée partout. Et il dit, on a menti au chef de l'État.
le chef de l'État qui a peut-être 500 conseillers. Qui est supposé... Je vous avais donné pour que vous puissiez enchaîner. Non, s'il vous plaît, c'est vous qui avez commencé l'émission. le chef de l'État qui est supposé être le Congolais le mieux informé. Il dit qu'il a fallu que le chef de l'État se rende sur le terrain et découvre la vérité. Merci. Ça veut dire que ces gens ne sont pas à leur place. Voyez-vous? Merci. C'est-à-dire que tous les conseillers qu'ils payent chèrement 20, 25 000, 30 000 dollars à la présidence ne lui servent à rien. Et qui a sélectionné ces conseillers? C'est lui-même. Donc, le problème, c'est Tshisekedi aujourd'hui. D'accord. Quant à nous, par rapport à la guerre, comme vous l'avez dit, et je ne suis pas là, nous avons dit la solution à cette guerre d'agression, pour gagner cette guerre, la solution ne viendra plus de l'extérieur. Félix est parti partout accuser le Rwanda. Deux ans après, son amitié avec Kagame, lesquelles amitiés nous avions dénoncées. Oui. Félix a, dans son Jérémia, de visiter toutes les capitales du monde. Il a voyagé comme il pouvait. D'accord. À l'interne ici, nous avons dénoncé ce qu'on pouvait dénoncer. Monsieur aujourd'hui, les recours, nous pensions que la SADC allait nous aider. La SADC arrive, la SADC est pas en position pour le Rwanda. Voilà pourquoi nous, on a dit, pour l'amour du pays, parce que les Congolais ne peuvent pas partir. Quatre territoires entre les mains du Rwanda. Merci. Deux ans que Bounagan est contrôlé par le Rwanda. Merci beaucoup. L'armée gagne en puissance, mais le pays perd le territoire. Merci beaucoup. Il y a quelque chose qui ne va pas. D'où nous avions dit, il faut que les acteurs politiques majeurs puissent se parler. Pourquoi ils doivent se parler? Eh bien, parce que Félix Tshisekedi est incapable de donner la solution. Malgré qu'il a l'armée, il a la police, il a les finances, il a les leviers, le pouvoir est une capacité. Le partage du gâteau, vous voulez avoir. Mais effectivement, ce qui est bien avec vous, puis-je parler s'il vous plaît? Ce qui est bien avec vous, c'est que vous êtes un journaliste qui, maintenant, peut-être vous êtes à la 8e année de votre métier, donc vous avez la mémoire de ce qui s'est fait, de ce qui s'est dit. Vous savez que Kabila avait organisé 3 dialogues. Lui, c'est un transfuge de l'IDPS. Pendant les 3 dialogues, la plus grosse main-d'œuvre de Kabila est venue de l'IDPS. Merci beaucoup. Le Tshibala, le Kabongo, le Badibanga. C'est l'IDPS qui fournissait Kabila en homme pendant ces 3 dialogues. La Mouka, s'il vous plaît. La Mouka et Fayoulou. La Mouka. Est-ce que je peux terminer? C'est moi qui ai la parole. Propositions. On tient compte des propositions. De Mouzitou, il n'y a pas eu un dialogue. Donc, ce qu'ils veulent proposer à Tshisekedi pour mettre fin à ça, ils le disent. On va appliquer comme on a appliqué les propositions de Mouzitou. Ils cherchent deux postes. La Mouka cherche à entrer dans les institutions, c'est clair. Vous m'autorisez à parler? Allez-y. Vous m'autorisez à terminer? Rapidement. Kabila avait organisé 3 dialogues. On n'était pas parti. Fayoulou avait dit l'intérêt du peuple n'y est pas. On était à la 5 août. Félix a organisé un dialogue ou consultation. Le président Katumbi est parti, il avait eu 4 ministères. Kabimba est parti, il en avait eu 3. Fayoulou avait dit une fois de plus, l'intérêt du peuple n'est pas là. Mais Fayoulou se raconte plutôt qu'au nom de la patrie. Que c'est maintenant où Fayoulou, je dois aussi entrer. Fayoulou, il s'est rendu compte que maintenant je dois aussi entrer. Merci beaucoup. Quand tous voilà. étaient chômeurs, Fayoulou gagnait des millions. Donc ce n'est pas Fayoulou qui doit dire ainsi. Merci beaucoup. Fayoulou dit, Goma ne peut pas être pris. Fayoulou dit, c'est 2 ans Bounagana entre les mains. Il fera quoi? Il donne sa nous proposition. D'où nous voulons ceci? Nous voulons poser des questions à Félix. Donnez la proposition. Nous voulons poser des questions à Félix. Mais ce ne sont pas des questions qu'il faut poser en public. Regardez. Ils vont en Angola. Et je suis par là, la semaine passée. Félix envoie une délégation pour rencontrer le Rwanda. Avec, sous médiation de l'Angola, de Lorenzo, et Félix dit ceci à sa délégation. Engagez-vous pour que le Congo fournisse un plan de neutralisation de FDLR. Alors que tout le monde sait, les Léons, tous les autres, qui sont des experts en matière de sécurité, ont dit que le prétexte de Kagame et de FDLR est un mythe. Les FDLR n'existent plus au Congo. Merci. Mais pendant 2 ans, nous étions en train de dire qu'il n'y a pas de FDLR au Congo, il n'y a pas de FDLR au Congo. Félix envoie une délégation pour reconnaître qu'il y a les FDLR et que le Congo s'est engagé à les neutraliser. Merci beaucoup. Félix a légitimé les discours de Kagame, les prétextes de Kagame. Merci. Donc, les laisser continuer ainsi, on s'est retrouvé avec Kisangani parti. Et en ce moment-là, ils vont nous dire, non, mais vous, l'opposition, pourquoi est-ce que vous ne parlez pas? Merci. Alors que nous l'avions averti. Merci depuis beaucoup. Le début de son amitié avec Kagame, nous avions dit, merci. Attention Félix Tshisekedi, Kagame est le fossoyeur du pays depuis 30 ans. Merci beaucoup. Arrêtez de vous lier d'amitié avec lui.
Il ne nous avait pas écoutés. D'accord. Où est-ce que nous en sommes aujourd'hui? Merci donc, beaucoup. Nous sommes en train de porter les fardeaux, les péchés de Félix Tshisekedi. Aucune proposition. Donc, voilà pourquoi. Aucune proposition. Vous... Que des condamnations, vous avez vu. Qu'est-ce qu'ils veulent dire dans ces dialogues qu'ils ne peuvent pas dire ici. Lui-même a fait des propositions à Félix. Lui qui fait Félix ne voit même pas. Depuis qu'il a l'ignorance à Kaël, il n'a jamais vu Félix. Je vais lui faire une proposition pour qu'il en fasse quoi. Mouzitou a fait des propositions. Merci. Qu'on a appliqué. Eux, ouais. Qu'est-ce qu'ils veulent proposer? Que ça seulement dans les dialogues qu'on va finir la guerre. Et je lui dis vous comprenez qu'ils veulent entrer dans les institutions comme Bemba, comme Katoum. Ils sont entrés aujourd'hui, regardez. Mais c'est notre tour. Eh bien, il faut qu'on fasse un dialogue, qu'on nous donne aussi des responsabilités. Comme ça, les Beng et les autres vont aussi vivre. Moi, je suis de l'opposition. Mais c'est ça. Lui, il est aux institutions. Qu'est-ce qu'il a que moi, je n'ai pas pour que je puisse l'envoyer? Merci. Non, mais écoutez, là, c'est ces gens ne comprennent rien. Nous parlons de Fayoul qui veut venir foutre des miel qui boit, merci beaucoup de nous avoir suivis, messieurs, dames. Cette émission est complètement terminée. On se retrouve lundi prochain avec d'autres invités pour un autre débat. Au revoir.